L'agence de notation Fitch a abaissé les perspectives à long terme de la dette du Nigeria de B+ à B- au regard des préoccupations relatives aux projections économiques du pays. Le Nigeria connaît sa pire crise économique suite à l'effondrement des recettes du pétrole qui constitue la majeure partie de ses recettes publiques. L'agence de notation a déclaré que le manque de devises étrangères et la faible production pétrolière ont contribué à la première récession du Nigeria depuis 1994. L'économie du géant d'Afrique de l'Ouest s'est contractée au cours des trois premiers trimestres de 2016 et Fitch souligne que le PIB, produit intérieur brut, a reculé d'environ 1,5% en 2016. L'agence de notation a indiqué qu'elle s'attend à une reprise économique limitée en 2017 avec une croissance de 1,5%, ce qui est bien en deçà des 4,8% de croissance enregistrée entre 2011 et 2014. La dégringolade des prix mondiaux du pétrole et les attaques répétées des infrastructures pétrolières ont gravement affecté l'économie du pays en 2016, provoquant même la dévaluation du Naira par rapport au dollar. La carence de devises freine les importations et les investissements au Nigeria.